إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك ونعم على أمير الأنبياء وسيد الأصفياء سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليك يا علم الهدى صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله فأنت سيد الكونين والثقلين والفرق من عرب ومن عجمية ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères chers sœurs bienvenue à l'UFCM. On remercie Allah SWT de nous avoir permis de nous réunir aussi nombreux. C'est un plaisir pour les cœurs et pour les yeux. On a l'honneur et le privilège, grâce à Allah SWT, de recevoir aujourd'hui notre cheikh, notre grand frère, donc cheikh Mohamed Minta, imam de la grande mosquée de Tessine, en tout cas de la future grande mosquée de Tessine, qui va intervenir aujourd'hui donc, pour nous apporter un éclairage sur le rapport à l'autre, hein, le rapport de l'être humain qu'il doit entretenir avec l'autre. Et ce, à la lumière des textes donc scripturaires, le Coran et la Sunna. Ce thème est relativement important, surtout en ces temps de discorde, où chacun fuit l'autre, où effectivement les musulmans sont d'une part... Donc d'une part, on a les musulmans qui sont défiés, qui sont en du suspect, mais on a également, nous, de notre côté, une sorte peut-être de crainte, et on a peut-être cette difficulté peut-être à aller vers l'autre. Donc on va essayer de voir avec Cheikh Mohamed Minta comment trouver au mieux, nous en tant que musulmans et en tant que citoyens de confession musulmane, notre place dans cet équilibre nécessaire. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. شيخ خير السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce et sa miséricorde, nous donne l'occasion de se rencontrer ce soir ici pour aborder ces thèmes, le rapport à l'autre. Je crois que le sujet est d'une importance capitale, notamment de nos jours aujourd'hui, comme Mohamed vient de souligner, et toujours aussi, parce que ce sujet est mal compris, mal traduit, mal pratiqué par beaucoup de musulmans. Car quand vous écoutez ou vous regardez certains musulmans, le musulman, il doit être en conflit, en guerre, qu'avec ceux qui lui ressemblent. Ceux qui lui ressemblent, que ce soit dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, dans sa façon de pratiquer, avec ceux-là, il est en paix. Mais tout ce qui ne lui ressemble pas, tout ce qui ne partage pas, son point de vue, sa position, il est en guerre avec ces gens-là. Est-ce que c'est ça que l'islam exige et recommande d'un musulman? En réalité, excusez-moi, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de principes établis par l'islam. Ces principes nous conduisent à chercher à comprendre quelle est l'attitude et quel est le comportement que les musulmans doivent avoir dans le milieu dans lequel ils vivent, vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis du milieu dans lequel ils vivent. L'un des premiers principes, l'islam nous apprend que l'origine de l'humanité est unique. L'humanité tout entière, ils ont la même origine. Donc, quand on dit que l'unité de l'origine, cela veut dire que on peut dire l'islam reconnaît qu'entre les hommes, il y a un lien de fraternité en humanité. Il y a un lien de fraternité en humanité. Donc, ainsi, on voit dans le Coran ce verset de Sourate An-Nisa, le premier verset, Sourate 4, verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba » Allah dit « Ô homme !» Donc ici, il s'adresse à tous les humains, tous les hommes, sans exception. « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Il a créé de celle-ci son épouse. Et de ces deux-là, il a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre le lien du sang. Certes, Allah observe. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Donc ici, Allah nous apprend que tous les humains, ils ont la même origine. Nous sommes tous créés de Adam et Ève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kulloukoum li Adam wa Adam min turab » Vous êtes tous d'Adam et Adam est de la terre. Donc l'humanité, les humains, tous ont la même origine. Donc ça veut dire il y a en quelque sorte, il y a un lien de parenté entre tous les hommes, tous les humains. Donc c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, très souvent, il utilisait ces termes. « Wa ila thamuda akhahum saliha, wa ila adin akhahum huda, wa ila madian akhahum shu'aiba » Donc cependant, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala considère les prophètes qu'il a envoyés aux différents peuples comme le frère de son peuple, alors que malgré que le peuple, ils étaient très souvent dans leur majorité, ils étaient opposés à la religion, à la croyance de ce prophète. Mais cependant, Allah considère le prophète comme un frère de son peuple. Allah dit par exemple, wa ila thamud akhahum salihah. Et à Thamud, nous avons envoyé leur frère Salih.
Saul, c'était le prophète qui a été envoyé au peuple de Thamoud. On lui dit, à Thamoud, nous avons envoyé leurs frères. Il dit pas, nous avons envoyé notre prophète, notre messager, le croyant, non. Donc, il fait partie de son peuple. S'il y a un lien entre lui et son peuple. Il a Thamoud, Akhahum Salih. Nous avons envoyé à Thamoud leurs frères Salih. Wa il a Adin, Akhahum Houda. Et à Ad, nous avons envoyé leurs frères Houd. Wa il a Madian, Akhahum Shu'aiba. À Madian, nous avons envoyé leurs frères Shu'aiba. Donc, en réalité, le musulman qui comprend le message islamique, donc, il ne doit pas avoir cette attitude, ce comportement, comme je disais, de certains qui disent, si tu me ressembles dans ma conviction, dans ma façon de voir, dans ma façon de pratiquer, tu es de moi, je suis de toi. Si tu ne vois pas de même manière, de même façon, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Entre nous, c'est la guerre, non. Donc, il y a ces principes, nous devrons le comprendre. Et donc, il y a l'unité de l'origine et la fraternité dans l'humanité. Deuxième chose, deuxième principe, la base de la relation humaine, la base de la relation humaine, d'une manière générale, à la base, la relation humaine est basée sur la paix, sur l'entente. Donc, le conflit, la guerre, c'est l'exception. Le conflit, la guerre, donc la base de la relation humaine, c'est la paix. C'est la paix, mais le conflit est une exception. Donc, c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la sagesse de la diversité des races et des couleurs et des nations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, excusez-moi, Allah dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. Donc verset 13, sourate 49 verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc nous avons fait de vous des nations et des tribus, il n'a pas dit pour que vous vous combattiez, pour que vous vous entretuiez, pour que vous faites la guerre. Non, nous avons fait de vous des tribus, des nations, afin que vous vous entreconnaissiez, que vous appreniez à se connaître. Donc ensuite il dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala établit, nous rappelle, l'égalité entre les hommes. L'égalité entre les hommes, c'est-à-dire vous êtes tous créés des mêmes femmes, des mêmes hommes. Nous avons fait de vous des tribus et des nations. Donc la diversité des couleurs, des langues, des races ne fait pas l'un d'entre vous qui soit meilleur d'autres que d'autres. Mais le critère de l'élection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est la piété. Donc, à partir du moment où on a bien compris ces deux principes, que nous sommes tous des mêmes origines, et aussi Allah, il a fait de nous qu'on soit différents pour qu'on apprenne à se connaître. Donc, je crois, quand on a compris ça, notre attitude, notre comportement va changer. Donc, maintenant, quel est le rapport des musulmans avec les non-musulmans? En fait, pour qu'on puisse parler des rapports que les musulmans doivent avoir avec les non-musulmans, d'abord, il faut savoir que, d'une manière générale, les non-musulmans, on peut les classifier en deux catégories. Les non-musulmans, d'une manière générale, on les classifie en deux catégories. Première catégorie, des non-musulmans qui nous déclarent la guerre, avec qui on est en guerre. Donc, des non-musulmans qui déclare la guerre à l'islam, aux musulmans qui combattent l'islam, et injustement. Donc, il y a ces premières catégories. Donc, et Dieu sait qu'aujourd'hui, certes, il y a des hommes qui déclarent la guerre à l'islam et aux musulmans. Pour eux, l'islam est un mal qu'il faut éradiquer,
Et l'islam est un mal qu'il faut combattre. Le musulman, c'est des barbares, c'est des sauvages. Il faut les civiliser. Il faut les convertir à la civilisation. Donc, et ils sont en croisade, en guerre contre l'islam et les musulmans. Il y a de ça. Donc, quelle attitude, quel comportement que nous devrons avoir avec cette première catégorie? On doit dire, nous sommes des musulmans, nous sommes pacifistes, nous n'aimons pas la guerre, nous n'aimons pas le mal, donc on s'est libre. Non. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » Donc, verset 190, surat al-Baqarah, la vache, surat 2. Surat 2, verset 190, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Combattez dans les sentiers d'Allah ceux qui vous combattent, ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Ceux qui nous combattent, on doit les combattre. On doit les combattre pour défendre notre liberté. On doit les combattre pour défendre notre dignité. » On doit se battre contre eux pour défendre notre territoire. Donc, on ne doit pas se résigner. On ne doit pas, soulever un drapeau blanc de dire non, nous, nous voulons. Non, ceux qui nous combattent, on doit les combattre. Mais, regardez qu'est-ce qu'Allah dit, ne transgressez pas. Même ceux qui vous combattent, combattez-les, mais dans l'équité, dans la justice, ne transgressez pas. Donc, les commentateurs du Coran, ils disent ne transgressez pas, c'est-à-dire... Ne tuez pas, ne combattez pas ceux qui ne vous combattent pas. C'est-à-dire si, en supposant qu'un pays donné qui combatte un pays musulman, qui combatte les musulmans. Donc on doit combattre les combattants. Donc le fait de tuer des gens qui ne sont pas des combattants, qui ne combattent pas, c'est une transgression. Donc ainsi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les califes bien guidés, quand ils envoyaient les soldats dans l'expédition, il leur a recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur disait de ne pas combattre ceux qui ne combattent pas. Par exemple, comme les femmes, comme les enfants, comme les vieillards, comme les religieux qui se sont retirés pour se consacrer à l'adoration de leur Dieu, leur Seigneur, de ne pas combattre ceux qui ne combattent pas. Et même aussi quand on combat, donc de ne pas mutiler les morts. Même si le non-musulman est mutilé, le mort musulman, certains savants ils sont d'avis de dire, nous, on ne doit pas officier. Le musulman a le respect pour l'être humain, même s'il s'agit de notre ennemi. Bon, certains savants ils sont d'avis de dire, on peut leur infliger les sanctions qu'ils nous ont infligées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, il dit. Bon, le verset que je vous dis, il y a dans un verset, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ina aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khayrun lis sabirin. Donc, c'est la fin de Sourate An-Nahl, les abeilles, Sourate 16. Donc, Allah il dit Si vous sanctionnez d'une sanction, pareil à ce qu'on vous a infligé. Mais si vous faites preuve de la patience, certes, c'est bien meilleur pour vous. C'est bien meilleur pour les patients. Donc, certains savants ils disent, si on mutile nos morts, on peut mutiler leurs morts. Mais certains d'autres savants ils disent, non, le musulman, donc on doit combattre ceux qui nous combattent, mais on ne doit pas transgresser. Donc, il dit, Allah n'aime pas les transgresser. Donc, cette première catégorie des gens qui nous combattent, donc on doit les combattre. Donc, jusqu'à ce que, à les arrêter, à leur limite, donc à partir du moment où même ceux qui nous combattent, s'ils changent d'attitude, ils changent de comportement vis-à-vis de nous, donc on doit changer d'attitude. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Anfal, le 8-1, « Wa in janahu li salmi fajnahala » S'ils penchent vers la paix, c'est-à-dire ceux qui vous combattent, s'ils penchent vers la paix, donc penchez aussi, vous, vers la paix. Donc, c'est vers la paix. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont des non-musulmans avec qui on est en paix. Des non-musulmans avec qui on est en paix. Donc, ces non-musulmans, on peut aussi les diviser, les classifier en trois catégories.
Il y a ce qu'on appelle Ad-Dhimmi. Ad-Dhimmi, si on veut utiliser comment dire, un terme, une expression de notre temps, on dirait un citoyen. C'est-à-dire un non-musulman qui est citoyen d'un pays musulman, qui vit dans un pays musulman sous l'autorité des musulmans. Donc ça, on appelle Dhimmi. Et deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle Al-Musta'man. Celui qui est assuré. Donc celui qui est assuré, c'est qui? C'est-à-dire, c'est un ressortissant d'un pays non musulman avec qui on est en guerre. Et ressortissant d'un pays non musulman ou d'un peuple non musulman qui nous combatte, donc qui vient chez nous, qu'on accepte, qui rentre chez nous, et en le rassurant. On lui donne une assurance qu'il est en paix en rentrant, c'est-à-dire rentre chez nous avec notre accord. Donc, et troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle Al-Mu'ahad. Al-Mu'ahad, c'est celui avec qui on a un pacte. On a signé un pacte. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est le cas de la plupart des pays non musulmans avec les pays musulmans. Il y a un pacte, il y a un accord de non-agression, des accords signés entre les deux pays, on a un pacte avec eux. Donc, maintenant, avant de parler de l'attitude des non-musulmans avec qui on est en paix, comme je l'ai dit, classé en trois catégories, Al-Dhimmi, je dirais un citoyen, Al-Musta'man, l'assuré, une personne non-musulman, ou bien ressortissant d'un peuple ou d'un pays non-musulman avec qui on est en guerre, qu'on lui a donné l'assurance de rentrer chez nous. Et troisième, des gens avec qui on a un pacte, un accord. Mais, il y en a certains, avant de vous dire quelle attitude, quel comportement qu'il faut avoir avec ces gens, il y a une notion qui est fondamentale, qui est essentielle, mais très souvent qui est mal comprise, mal interprétée. Cette notion de ce qu'on appelle Al-Wala ou Al-Bara. Al-Wala, donc qui veut dire l'alliance, ou Al-Bara, c'est-à-dire le désaveu, le fait de faire un désaveu. Donc aujourd'hui, certes, on a des textes clairs dans le Coran, des textes clairs dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que le musulman ne doit pas s'allier, ne doit pas s'allier avec des non-musulmans, et aussi qu'il doit désavouer les non-musulmans. Il doit être les désavoués. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que le musulman, en aucun cas, il doit faire un bon rapport avec un non-musulman? Est-ce que ça veut dire le musulman, il ne doit pas reconnaître l'existence de l'autre, puisqu'on dit quand on est désavoué? Certains, ils ont cette attitude-là de dire il faut, le musulman, il doit être distant, il doit être en désaccord total, il doit être, comment dire, donc certains gens disent, donc il faut être dur, il faut être fier avec des non-musulmans, si vous les rencontrez dans la rue, il faut les bousculer, les coincer donc il y a certains, ils ont cette attitude, cette comparaison de dire, c'est que. Donc comme je dis, c'est vrai, en islam, l'islam il nous dit, le Coran il nous dit, et la Sunna nous dit, oui, les musulmans ne doivent pas faire l'alliance, ils ne doivent pas s'allier avec des non-musulmans. Ils ne doivent pas s'allier avec des non-musulmans, mais de quelle manière, de quelle façon il faut comprendre. Donc je vais vous citer quelques versets coraniques, ensuite je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut. Par exemple, ce verset de Surat al-Mujadala, Surat 58, verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La tajidu qawman » يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah dit, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père,
leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Et il les a aidés de son secours, il les fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils demeureront éternellement. Où ils demeureront éternellement, Allah les agrée, il agrée. Ceux-là sont les partis d'Allah, le parti d'Allah et celui qui réussissent. Donc, vous avez ce verset qui dit, tu ne trouveras pas de croyants qui croient en Allah au jour dernier, qui vont prendre un lit des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. Fût-ce leur père, leur fils, leurs proches parents, leur tribu. Donc, il y a ces versets. Mais on reviendra de quelle manière, de quelle façon il faut comprendre. Aussi, un autre verset, le surat Tawba, surat 9, verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ayyuha alladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya, in istahabbu al-kufr ala al-iman, wa man yatawallahum minkum fa'ula'ika hum al-zalimun. » Allah dit, « Oh vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères, vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. » Aussi, d'autres versets qu'il y a, « Ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wal-nasara awliya, ba'duhum awliya ba'd, wa man yatawallahum minkum fa'ulaika minhum. » Donc, il dit, « Oh, vous les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Quiconque parmi vous qui les prend pour alliés, il fait partie d'eux. » Donc, en fait, souvent, ces versets qui sont cités par certains gens vont dire non. Le musulman doit être distant, il doit désavouer, il doit avoir aucun lien avec les non-musulmans. Donc, quand tu les vois, il faut avoir un visage renfrogné, il faut leur parler durement, il faut être dur avec eux. C'est ça, pour te montrer que tu es fier de ton islam, tu es musulman, tu défends la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, qu'est-ce qu'il faut entendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi, comment dire, le fait, les non-alliances et les désaveux que le musulman doit avoir à l'égard des non-musulmans? Donc, est-ce que cela veut dire, comme je disais, il faut être méchant, il faut le maltraiter, il faut être injuste envers eux et les tuer, les éliminer, afin que la religion soit totalement pour Dieu? Puis c'est, malheureusement, des fois, il y a certains versets qui sont mal interprétés quand Allah dit dans le Coran, وَقَاتِلُوا le verset que je vous dis, وَلَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Donc les versets, et à la fin on dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Donc combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les tentations et que la religion soit entièrement à Dieu. Donc certains y comprennent, donc ça veut dire il faut que toute la terre soit musulmane. C'est notre rôle, c'est de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent des musulmans. Surtout, ils citent un certain hadith qu'ils ont mal compris dans ce sens-là. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Allah n'a nullement voulu que l'humanité tout entière devienne croyante, devienne musulmane. Ce n'est nullement la volonté de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement dans surat Al-Kahf, la caverne, Allah dit « وَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. » Allah dit, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « La vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il m'y croit. » Donc Allah donne le choix aux gens. Dit la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il me croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont le flamme les cernera. Donc Allah donne la liberté aux gens. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Yunus, surat 10, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auront cru. S'il avait voulu, si Allah il avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre deviendront croyants.
Et c'est à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Non, ce n'est pas à toi de contraindre les gens pour qu'ils deviennent croyants. Donc aussi Allah il dit, la ikraha fi din, point de contrainte dans la religion. Donc, en réalité, Allah n'a nullement le fait que, qu'il y a sur terre de croyants, de non-croyants, des bons, des mauvais, des gentils, des méchants, c'est voulu par Allah. Allah il dit, huwa alladhi khalaqakum, faminkum kafir, faminkum kafir, waminkum mu'min. C'est celui qui vous a créé, il y a parmi vous des mécréants, il y a parmi vous des croyants. Donc c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je reviens, que veut dire le désaveu ou bien le non-alliance que le musulman doit avoir vis-à-vis, le musulman doit avoir vis-à-vis des non-musulmans. Donc, premièrement, quand Allah dit ne prenez pas des non-musulmans ou bien ceux qui s'opposent à Allah, ne les prenez pas pour allier, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas, un musulman n'a aucunement, n'a nullement le droit de faire l'alliance avec des non-musulmans contre des musulmans. Donc ça c'est la première chose. Le musulman n'a aucun cas a le droit de faire l'alliance avec des non-musulmans contre un musulman. Contre un musulman. Donc, ou bien contre un pays musulman. Donc ça veut dire en aucun cas le musulman est autorisé de combattre avec des non-musulmans un pays musulman. Car s'il fait ça, les savants ils sont unanimes d'accord de dire qu'un musulman qui fait l'alliance avec des non-musulmans pour combattre des musulmans, il quitte l'islam, il sort de l'islam. Donc, ça c'est la première chose. Donc, quand Allah nous dit ne prenez pas de non-musulmans pour allier, c'est donc faire l'alliance avec eux et pour combattre les musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que ce sont les hypocrites, ceux qui sont malades de cœur, qui s'allient avec des non-musulmans pour combattre les musulmans. Par exemple, dans surat Al-Hashr, surat c'est 59, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam tara ila alladhina nafaqu » يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. Donc Allah dit n'as-tu pas vu, ألم تر إلى الذين نفقوا, n'as-tu pas vu ceux qui sont des hypocrites. Il dit à leurs frères parmi les gens des livres, si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. Si vous êtes combattus, nous combattrons avec vous. Donc, en fait, comme vous le connaissez, l'histoire, il s'agit de l'histoire de Banu Nadir, avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui, quand ils ont comploté pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a découvert les complots, il a décidé de les assiéger. Finalement, ils ont décidé de se soumettre, mais au début, le prophète dit, quand ils étaient assiégés, vous mettez à mes sentences, je décide, je vous juge comme je veux. Au départ, ils ne voulaient pas. Donc, il y a Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui était la tête des hypocrites, qui va intervenir auprès du prophète au sujet de ses alliés. Et il leur disait, n'ayez pas peur. Moi et mes hommes, nous sommes avec vous. Si on vous chasse des Médines, nous sortirons avec vous. Si on vous combat, nous serons à votre côté à les combattre. Donc, c'était les hypocrites qui s'alliaient avec des non-musulmans. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, quand il dit de ne pas prendre des non-musulmans pour allier, il s'agit de faire l'alliance avec eux pour combattre des musulmans. Ça, c'est une première notion. Deuxième chose, c'est le fait d'éviter, de les imiter, de chercher à leur ressembler dans leur rite, dans ce qui relève de leur rite religieux, ou bien des habitudes qui aient une spécificité de non-musulmans. Donc, quand il nous dit de ne pas les prendre d'alliance, donc c'est d'éviter d'imiter des non-musulmans ou chercher à les ressembler dans
dans leurs rites religieux, par exemple, participer, faire leurs fêtes religieuses, ou bien participer avec eux dans des rituels qui est des rituels religieux, ou bien des habitudes qui font partie des spécificités des non-musulmans. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je peux citer comme le fait de manger avec la main gauche. Il y a certains musulmans, pour se montrer qu'ils sont civilisés, il faut manger avec la main gauche. Donc, ils vont faire pour eux. Alors qu'on sait qu'en islam, un musulman, il ne mange pas avec la main gauche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le fait de manger avec la main gauche, c'est de ressembler, chercher à ressembler à des non-musulmans, à shaitan. Et c'est shaitan qui mange avec la main gauche. Donc, aujourd'hui, il y a certains rituels, bon, certaines habitudes, qu'on sait que ce n'est pas des habitudes du musulman. Donc, certains, ils vont ressembler aux non-musulmans. Donc, ils vont faire comme eux. Donc, ça, c'est une forme d'alliance. C'est une forme d'alliance du cœur. On les aime, on les aime leur façon de faire, on veut les ressembler. Donc, ça, c'est la deuxième notion. Et troisième notion, c'est le fait de les prendre pour des confidents. Être en confiance, être en paix avec vous, de les prendre des confidents en dehors des musulmans. De les prendre des amis intimes, des confidents en dehors des musulmans. Donc, quand l'alliance, bon, il nous est interdit, il s'agit de ça. Donc, s'allier avec eux pour combattre des musulmans, ou bien vouloir les imiter, les ressembler dans leurs spécificités, dans leurs habitudes, et ou bien les prendre pour des confidents, Donc, c'est ça qui est interdit. Mais est-ce que cette interdiction de faire l'alliance avec des non-musulmans, est-ce que cela s'oppose à avoir un bon comportement, à les traiter avec gentillesse, avec équité, est-ce qu'ils s'opposent? Non, ça ne s'oppose nullement. Ça ne s'oppose nullement. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Mumtahina, Surat 60, versets 8 et 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « La yanhaakum Allah, ani alladhina lam yuqatilukum fi d-din, wa lam yukhrijukum min diyarikum. » أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Donc Allah qui dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Donc ici, ces versets principal, fondamental en matière de la relation que le musulman doit avoir avec de non-musulmans avec qui on est en paix, avec qui on n'est pas en guerre. Donc, ici, Allah dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Donc, le mot Allah yanhaakum Allah an alladhina yuqatilukum fi d-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Donc, Allah il utilise le mot an tabarruhum. Donc, al-birr, dans la langue arabe, al-birr, donc on dit c'est le summum de bienfaisance. Le summum de bienveillance, c'est al-birr. Le summum de bienfaisance et de bienveillance, c'est le mot birr. Au point où, en islam, ce terme est consacré aux parents. Aux parents, c'est-à-dire le summum de bienveillance et de bienfaisance, on doit avoir à l'égard de ses parents. Donc c'est pour cette raison, par exemple, l'attitude qu'un enfant doit avoir vis-à-vis de ses parents est traduite en islam, ce qu'on appelle la piété filiale. On dit « birru al-walidayn ». Birru al-walidayn. Donc, le même terme, Allah utilise, que Allah ne nous défend pas
d'être extrêmement bon, extrêmement bienveillant à l'égard de ceux qui ne combattent pas dans la religion, qui ne nous expulsent pas de notre demeure, et d'être équitable envers eux. Donc extrêmement bon. Ça veut dire quoi, extrêmement bon? Le savant, il nous en dit le fait que Allah, il n'a pas défini de quelle manière, de quelle façon, ça veut dire toutes les manières, toutes les façons de bonté, de bienveillance, Allah ne les défend pas à l'égard de ceux qui ne combattent pas. Donc c'est-à-dire être gentil, être serviable, être souriant, leur venir en aide, être juste, les défendre. En cas où ils subissent une injustice, ça fait partie de la bonté que l'islam t'exige. Donc, vous voyez dans ces versets, donc il est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il nous seulement, Allah vous défend de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, ceux qui vous font la guerre à cause de votre foi, votre croyance, vous les prenez pour des amis, pour des alliés, pour des confidents. Non, ça c'est interdit. Et vous en chassez de vos demeures et aidez à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont des injustes. Donc, ces versets, c'est un verset fondamental, essentiel, qui de la relation entre les musulmans à l'égard de ceux qui ne lui font pas la guerre, qui doit être extrêmement bon. Donc, quand vous regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, qui est notre exemple, vous trouverez que son attitude et son comportement avec les non-musulmans, donc qui traduit réellement cette bonté, qui traduit puisque cette bonté, cette attitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous regardez, que ce soit quand il était à la Mecque ou bien quand il était à Médine, il se comportait avec l'extrême bonté, l'extrême noblesse, l'extrême gentillesse avec ceux qui ne nous faisaient pas la guerre. Donc, on a beaucoup d'exemples. Donc, le prophète, il avait affaire avec des non-musulmans. On a beaucoup de récits, par exemple, vous connaissez ces récits. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un voisin juif. Un jour, qu'il invite à partager un repas avec lui. Mais le repas, ce n'était pas des festins que nous faisons aujourd'hui. C'était du pain, des sha'ir. Comment dire sha'ir en français? Du sec. Hein? De l'orge. De l'orge, oui. En fait, c'est pas de blé. C'est blé, c'est de l'orge. De l'orge. Du pain de l'orge. Et avec de semi. C'est du beurre, ouais. Voilà. Donc, c'est de la margarine. Voilà, c'est du beurre, du pain avec du beurre, mais qui avait changé. Il a invité à partager ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à l'invitation. Il est allé partager le repas avec lui. Vous pensez que le prophète, il est allé dire, ben, c'est un juif, je vais aller chez lui, un visage renfrogné, je vais être dur avec lui. Non! Il a répondu à l'invitation. Donc, le prophète, il avait affaire avec eux. Il faisait des échanges avec eux. Voire même ceux qui se comportaient mal envers lui, qu'il agressait le prophète et s'est montré indulgent et patient à leur égard. Et à ce titre, un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et un autre compagnon. Et il y avait un homme, un juif de Médine, qui s'appelle Ibn Sa'sa, qui rencontre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Oh Muhammad, paye-moi ce que tu me dois. Vous, Bani Hashim, vous êtes des gens qui négligent de payer leurs dettes. Attends, tu dois me payer. » Et en plus aussi, il avait pris le prophète sur la salle par ses vêtements, il est tiré, il lui parle comme ça. Oh, tu dois me payer ce que tu me dois, car vous êtes des gens qui ne payent pas leurs dettes. Attends. Et quand il a dit comme ça, Omar lui dit, « Oh prophète, laisse-moi lui couper la tête. » Omar lui dit, « Laisse-moi lui couper la tête. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, qu'est-ce que le prophète dit? C'est quelqu'un qui se comporte mal avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, c'est qui? C'est le chef de l'État. Puis c'est le chef de l'État, sous l'autorité de qui ces gens y vivent? C'est le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah, c'est le meilleur des hommes, de l'humanité. Il lui dit ça. Omar lui dit au prophète, laisse-moi lui couper la tête. Le prophète, il dit, Omar, lui et moi avaient besoin d'autre chose que ça de ta part.
tu l'aurais ordonné de réclamer ce que je lui dois convenablement et tu m'aurais ordonné de lui payer ce que je lui dois. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'ordre qu'on lui paye ce que le prophète lui devait. En fait, c'était quelques quantités de vivres, de nourriture. Donc, le prophète il va ordonner qu'on lui paye et va ordonner qu'on lui rajoute 20 soirs, c'est-à-dire 20 mesures, unité de mesure, 20 soirs, parce qu'Omar lui a fait peur à cet homme. Depuis ce moment, il avait fait peur de lui payer plus. Et quand le prophète il donne cet ordre, cet homme il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité que Allah et j'atteste qu'il est le messager de Dieu. Il dit en réalité, l'échéance des dettes n'était pas encore arrivée. Il reste encore 3 jours. Il dit, mais j'avais lu tes qualités dans la Torah, les qualités des derniers prophètes. Il dit, j'ai vu toutes les qualités que tu avais, il me restait un. Et la seule qualité qui me restait, c'était un homme dont son indulgence et son pardon dépassaient sa colère. Et je voulais voir. Donc c'est pour cela qu'il a agi de cette façon. C'est un grand érudit juif. Voilà, c'est un grand érudit juif. Voilà, exactement qu'il dit. En fait, il avait lu toutes les qualités. Il dit, j'avais tout trouvé, il me manquait ça. Il me manquait cette qualité. Donc, il a fait exprès d'agir comme ça pour voir est-ce que le prophète va se mettre en colère. Je ne sais pas aujourd'hui, certains musulmans, un juif qui... Pardon? Ah non, il me faut plus. D'accord, je vais essayer de résumer, mais inchallah, mais... Donc, en fait, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas mis en colère contre... il a agressé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a fait preuve de patience, d'indulgence vis-à-vis de lui, car ça fait partie des bontés, des bienveillances que l'islam recommande à un musulman. Un deuxième exemple. Aïcha radiallahu anha, elle dit, un jour, il y a un groupe de juifs qui sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit Assalamu alayka ya Muhammad. C'est-à-dire, ils ont dit ça, en fait, ça veut dire la mort sur toi, ô Muhammad. En fait, il lui maudissait. Il dit Assalamu alayka, la mort sur toi, ô Muhammad. Et Aïcha, elle a compris. Aïcha, elle dit Assalamu alaykum wa la'na. Aïcha, elle dit la mort et la malédiction sur vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mahalan ya Aïcha. Il dit calme-toi, Aïcha. Calme-toi. Il dit t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Aïcha dit t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Il dit j'ai bel et bien entendu ce qu'ils ont dit. Mais le prophète il dit Aïcha, calme-toi, Aïcha. Il dit Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil umuri kulliha. Donc, il dit Allah est doux. Il aime la douceur dans toutes choses. Il dit, ils nous ont dit un mot. Nous leur avons rendu le mot qu'ils ont dit et ça sera collé à eux jusqu'à la fin des temps. Et selon une autre version, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, calme-toi Aïcha. Il dit, Allah n'aime pas la grossièreté et les insultes. Ils nous ont dit un mot, nous leur avons rendu. Donc regardez, subhanallah, ces gens, ils insultent le prophète. Ils le maudissent. Il dit, la mort sur toi, mais... Le prophète, il dit « Wa alaykoum ». Il répond, il dit « Wa alaykoum ». Il ne dit pas plus que ça. Donc, vous voyez, aussi un troisième exemple pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait affaire avec lui. Le prophète, il avait un jeune juif qui lui servait à la maison. Et pendant un certain temps, le prophète, il perd de vue cet jeune homme. Il demande après lui, on lui dit qu'il est malade, que ce jeune homme, il est malade. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va se rendre chez lui. Va se rendre chez lui pour lui rendre visite. Pour lui rendre visite, il trouve que le jeune homme est gravement malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste à côté de lui. Et après, à un moment donné, le prophète, il lui dit, il appelle à se convertir à l'islam. Et l'homme, il regarde son père comme si il lui demandait la permission. Et le père dit à son fils, obéis à Abul Qasim, obéis, c'est-à-dire au prophète. Et le jeune homme, il va dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Donc, il va attester l'attestation de la foi. Après, il va mourir. Il va rendre l'âme à son Seigneur. Et le prophète, il a quitté chez jeune homme. Il était très heureux, très content, en disant « Alhamdulillah, alladhi anqadahu bi min an-nar ». Louange à Allah qui l'a sauvé par mon biais de feu de l'enfer. Le prophète, il était heureux, il était content.
Allah il a sauvé. C'est jeune homme qui s'est converti, qui n'a même pas fait une raka, une seule sujoud, mais qui va au paradis. Puis c'est, le prophète il dit, celui dont sa dernière parole était la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Donc en fait, la bonté et la bienveillance dont Allah nous exige, cette bonté et cette bienveillance doit être basée sur la nature de la mission du prophète et la mission de chaque musulman. Quelle est la nature de cette mission? La nature de cette mission est que chaque musulman est porteur d'un message qui est une miséricorde pour l'humanité, pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour le monde. Donc, le musulman est porteur d'un message de miséricorde pour l'univers. Donc, si tu es porteur d'un message de miséricorde pour le monde, si tu te comportes mal à l'égard de ton copain, ton voisin, ton collègue de travail, ta camarade de classe, et tu le maltraites, tu es injuste, tu l'agresses, est-ce que tu peux lui porter ce message de miséricorde? Est-ce que tu peux espérer qu'il entende, qu'il comprenne, qu'il a envie de cette miséricorde? Non. Non. Regardez l'autre verset que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorez Allah, ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Les proches, donc c'est-à-dire agissez avec bonté envers les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins, le voisin lointain et les collègues et les voyageurs et les esclaves en vos possessions. Car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant. Donc ici, Allah ordonne son droit qui est le fait de l'adorer sans rien lui associer. Et d'agir avec bonté et bienveillance à l'égard de ses parents, son père et mère, ensuite ses proches, donc ses proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins et le voisin lointain. Le proche voisin, c'est-à-dire un proche parent, une personne avec qui on a un lien de parenté, qu'on est voisin, et le proche lointain, le voisin lointain, c'est un voisin avec qui on n'a pas de lien de parenté. En islam, les savants ils disent. Le devoir que le musulman a vis-à-vis de son voisin, il dit, il y a trois niveaux. Il y a un voisin qui a trois droits sur nous. C'est-à-dire, on a trois devoirs vis-à-vis de lui. Il y a un voisin qui a deux droits sur nous. Il y a un voisin qui a un seul droit. Le voisin qui a trois droits, c'est le voisin qui est proche parent, donc qui est musulman. Un voisin musulman avec qui on a un lien de parenté. Donc, il a le droit du voisinage, il a le droit de parenté et il a le droit de l'islam. Le droit de l'islam, le droit de parenté, le droit de voisinage. Le voisin qui a deux droits, c'est le voisin musulman avec qui on n'a pas de lien de parenté. Il a le droit de l'islam et le droit de voisinage. Et le voisin qui a un seul droit, c'est le voisin non musulman. Il a le droit de voisinage vis-à-vis de nous. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, ses grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, on a égorgé une brebis ou un agneau chez lui. Et après, il est sorti. Et donc, on a partagé la viande à son absence. Quand il est revenu, il demande, avez-vous donné à notre voisin juif? On lui dit oui. Après quelques temps, il dit encore, est-ce que vous avez donné à notre voisin juif? On lui répond oui, on lui a donné. Est-ce que vous avez donné la part de notre voisin juif? Une troisième fois. On dit oui, par Dieu, on lui a donné sa part. En fait, les gens, ils s'étonnaient, quoi. Pourquoi il insiste? Il dit, j'ai entendu mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire que Djibril n'a cessé de me recommander de bien à l'égard du voisin au point où j'ai pensé qu'il va lui donner de droit à l'héritage. Donc ce voisin dont Djibril est recommandé au prophète de prendre soin. Est-ce qu'il a dit ton voisin musulman? Est-ce qu'il a dit ton voisin qui a un lien de parenté avec toi? Non. Le voisin, d'une manière générale, on doit voir
on doit voir, on doit agir avec bienveillance, avec la bonté à l'égard de nos voisins. Donc, en islam, la relation que le musulman doit avoir avec le non-musulman avec qui on est en paix, on n'est pas en guerre, c'est du respect, c'est de la bienveillance, c'est de la bonté, c'est de la générosité. Pourquoi on doit agir ainsi avec eux? Pourquoi ils voient que nous sommes des gens qui sont porteurs des messages de miséricorde? Donc on doit leur souhaiter du bien. On ne doit pas avoir la haine, la colère contre eux. On ne doit pas leur souhaiter le mal. Puis si on leur souhaite le mal, on ne va pas leur faire dawa, on ne va pas leur faire connaître l'islam. On ne va pas leur faire aimer l'islam. Alors que nous sommes là pour leur faire dawa, pour leur faire aimer l'islam, puisqu'on veut qu'ils soient sauvés. Certes, le musulman, il déteste l'attitude de mécréance, l'attitude de polythéisme, les actes de mécréance, de polythéisme, la méchanceté qu'ils peuvent faire, on déteste les actes, mais on ne déteste pas la personne. La personne, on lui veut du bien, on lui souhaite le bien, le bonheur. Donc, certes, ce n'est pas nous qui pouvons lui ouvrir le cœur, le guider, mais nous avons le devoir et l'obligation de faire connaître la vérité. Donc, si pour qu'on puisse leur permettre de connaître la vérité, si on est méchant, on est injuste, on est agressif à leur égard, je ne pense pas qu'on leur permettra de connaître, de comprendre cette religion et la vérité. Donc, aujourd'hui, réellement, les musulmans, nous avons besoin de comprendre l'islam et les messages de l'islam et les textes de l'islam, puisqu'on fait des fois un amalgame, puisqu'on prend un texte isolé de son contexte, on dit voilà ce qu'il dit dans le Coran, voilà ce que le prophète dit, et alors qu'on fait le contraire de ce que l'islam nous dit, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Bon, pour ne pas abuser de votre temps, Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Après, peut-être on pourra enrichir, on pourra revenir sur d'autres points à travers vos questions et les échanges avec vous. Barakallahu fikoum. On remercie chaleureusement pour la qualité de ses enseignements. On va laisser, Inch'Allah, la parole au public. On aura une grosse demi-heure, Inch'Allah. N'hésitez pas à interagir, à interpeller, à poser des questions. Elles sont toutes les bienvenues. J'ai pas de micro-baladeur, donc si quelqu'un prend la parole, Inch'Allah, qui peut élever la voix. On prend ça. Ah oui, d'accord, ouais. Oui. Merci. Je crois qu'il y avait un film. Mais après, si tu penses que tu veux. C'est qui? C'est toi, après. Je reviens sur la classification des non-musulmans. Ceux qui déclarent la guerre aux musulmans. Oui. Je voudrais savoir qu'en est-il des frères qui sont dans le service militaire, mm-hmm. et qui, la France, peut aider le combat des musulmans. Mm-hmm. Quel est le positionnement, en fait? Le positionnement, c'est clair. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit dans mon intervention? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Bon, le musulman, en aucun cas, ne peut s'allier avec des non-musulmans pour combattre des musulmans. C'est formellement interdit. Parce qu'en fait, quand on est dans le service militaire, on est soumis au régime dans lequel on est. On soit soumis quoi qu'il en soit, moi, c'est que tu me demandes, islamiquement, je ne peux te dire qu'il n'y a aucune excuse qu'un musulman qui va combattre des musulmans. Oui. Vous avez parlé de deux catégories de musulmans, ceux avec qui on est en
Enfin, ouais. Oui. Aujourd'hui, on est combattu médiatiquement, politiquement. Mm-hmm. Du coup, dans quelle mesure on les combat sur les champs, dans les champs où on nous combat. D'accord. Voilà. Quelle est votre précision, parce que du coup, ça peut être traité différemment. Merci. De rien. Ils sont devant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallah fik pour l'intervention. En fait, je reviens juste sur la question donc des est-ce que des musulmans donc peuvent s'allier avec des non-musulmans pour combattre des musulmans? Donc là, la question que je pose, c'est si les musulmans qui sont combattus, si on présuppose qu'ils sont dans l'injustice. Je prends l'exemple médiatisé donc, de Daesh, par exemple, et je ne considère pas forcément ceux qui les combattent comme étant des gens qui sont dans la justice. Mais si on trouve d'autres personnes, par exemple, qui ne sont pas musulmanes et qui les combattent pour leur injustice et pas pour leur, pour leur islam, voilà, donc qui leur combattent pour leur injustice, est-ce que le musulman a le droit de s'allier à ces personnes-là pour combattre dans ce contexte précis d'autres musulmans? Oui, dans ce contexte précis, puisque normalement, il faut savoir que le musulman, il devrait avoir une force de répression avec laquelle ils sont en mesure d'arrêter l'injuste, de commettre l'injustice. Allah, il nous dit dans le Coran, « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Allah dit, s'il y a des groupes de musulmans qui se battent, qui s'entretuent, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, réconcilier entre eux, et vrai, de sorte à établir une réconciliation entre eux. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, si l'un des groupes transgresse sur l'autre, c'est-à-dire agresse l'autre, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, combattez celui qui est agressé, celui qui dépasse les limites, jusqu'à ce qu'il revient à l'ordre de Dieu. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, s'il y a un groupe de musulmans qui font des injustices, qui font des atrocités, et qu'on décide de les combattre pour arrêter leurs injustices, oui, les musulmans peuvent combattre. C'est quand vous regardez, parmi les finalités du djihad en islam, parmi les raisons pour lesquelles le musulman doit s'engager dans un voie de djihad, c'est le fait de venir en aide aux opprimés. Arrêter l'injuste de continuer dans son injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Donc Allah dit, qui avez-vous à ne pas combattre dans les sentiers d'Allah, alors que des hommes, والمستضعفين, alors que les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui crient, Seigneur, fais-nous sortir des cités, de ces cités dont les habitants sont injustes, et donne-nous des alliés, donne-nous des secouraires. Ceux qui croient combattent dans les sentiers d'Allah. Ceux qui mécroient combattent dans les sentiers des Tawhouds. Et combattez les alliés de Satan, car le ruse de Satan est faible. Donc, oui, quand des musulmans qui deviennent agressifs, injustes, qui dépassent les limites, il faut les combattre, même s'il faut s'allier avec les non-musulmans pour arrêter leur injustice. Assalamu alaikum, cher. Moi j'ai entendu souvent des frères convertis dire j'ai été traité par des musulmans de kafir. Est-ce qu'ils ont le droit, aujourd'hui je suis devenu musulman, quelle est leur réponse? Y compris le traitement aux non-musulmans qui entendent souvent mécréants. Voilà, j'aimerais bien entendre une réponse par rapport à ça. En fait, il faut savoir que
celui qui traite un musulman de mécréant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, celui qui dit à un musulman mécréant, s'il ne l'est pas, celui qui dit, il deviendra. C'est-à-dire, celui qui traite quelqu'un de mécréant, si la personne traitée comme mécréant, si elle n'est pas réellement mécréant, la personne qui dit devient mécréant auprès d'Allah. Donc c'est très très grave. C'est très grave de juger, de condamner quelqu'un, de dire mécréant. Même si la personne fait des actes dont en apparence, c'est des actes de mécréance. Car les règles que les savants, et les savants disent pour que la personne puisse se permettre de juger quelqu'un de mécréant, donc premièrement, il dit, il faut que, par exemple, si une personne qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose qui relève de mécréance, il faut qu'il n'ait pas une interprétation. C'est-à-dire, même si c'est une fausse interprétation, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est basé sur un texte, que ce soit du Coran ou bien un texte du Hadith, qu'il a mal interprété, qu'il a mené à dire ou à faire quelque chose que l'islam condamne fermement, qu'il considère comme mécréance. Donc, il faut que la personne fasse qu'il n'a pas aucun prétexte d'interprétation. Deuxièmement, il faut que la personne sache que ce qu'elle fait relève de mécréance. Troisièmement, il faut que la personne qu'on lui avait expliqué, on lui avait expliqué de dire ce que tu dis, ce que tu fais, ça relève de mécréance. Qu'après avoir lui prouvé A plus B, que malgré ça, il persiste, oui, là, on peut condamner la personne. Sinon, non. Donc, même aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de condamner les gens parce qu'ils ne sont pas du même point de vue, de même position, dit c'est mécréant, c'est un pervers, c'est un égaré. Si la personne à qui on lui dit, il ne l'est pas, c'est lui qui dit, il le sera. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc, bon, maintenant, les non-musulmans, le fait de dire des mécréants, en fait, réellement, moi je dirais, c'est manque de sagesse. C'est vrai. De position, de point de vue de l'islam, toute personne qui ne croit pas en Allah et son messager est mécréant. Toute personne qui ne croit pas en Allah et son messager est mécréant. Bon, mais maintenant, est-ce que, quand on dit une personne qui est mécréant, est-ce qu'aujourd'hui, tous les mécréants de la terre, on le considère tel que son. Puisque quand on est mécréant, ça veut dire qu'un mécréant, c'est quelqu'un qui va à l'enfer à l'éternité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de dire tous ceux qui ne croient pas en l'islam, qui ne croient pas au prophète et en Allah, qui sont mécréants, qui vont éternellement à l'enfer? On n'a nullement le droit de lui dire ça. On n'a nullement le droit de lui dire. Vous savez pourquoi? Parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas grand chose de l'islam, qui ne savent même pas de l'islam, qui n'ont pas appris l'islam, qui n'ont pas compris. Ils ne savent pas. Donc, telle personne, on ne peut pas les traiter pour mécréants. Parce que telle personne aussi, on ne peut pas dire qu'il va aller en enfer. Pourquoi? Allah, il dit, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'étions pas à châtier jusqu'à ce que nous envoyons un messager. Donc, les savants, quand ils disent, dans les termes islamiques, il y a un terme qu'on peut nous dire, أَهْلِ الْفَتْرَةِ. En fait, les gens qui ont vécu entre deux temps de prophétie. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui ont vécu entre Jésus et Mohammed, qui n'ont pas, c'est-à-dire le message de Jésus ne leur a pas parvenu et ils n'ont pas connu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Ces gens sont considérés comme des gens qui n'ont pas reçu le message. Allah, il dit, nous n'étions pas à châtier, c'est-à-dire des gens sans qu'ils ne reçoivent un message. Donc, aujourd'hui, de notre temps, ça ne suffit pas de dire qu'ils ont entendu parler de l'islam. Non. S'il y a certains gens, ils n'ont entendu qu'une mauvaise version, ils n'ont vu qu'une mauvaise image de l'islam qui fait que quiconque qui soit, qui voit, qui entend cette mauvaise version, cette mauvaise image de l'islam, ne peut pas accepter, ne peut pas l'aimer. Donc ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas connu l'islam. Ils n'ont pas connu la vérité. Donc cette personne, il fait partie de ce qu'on appelle des Ahlul Fatra, puisqu'il n'a pas connu la vérité. Donc, les savants musulmans sont unanimement d'accord que les gens de Ahl al-Fatra, des gens qui n'ont pas connu le vrai message, la vérité, qui vont être mis à l'épreuve au jour du jugement dernier. Allah il va leur envoyer un messager, il va prendre un engagement de leur part que vous allez suivre mon messager, vous allez lui obéir.
Donc il dit, ces messagers, ce que je suis en train de vous dire, c'est un hadith authentique des prophètes, ce messager leur viendra et il a avec lui le feu, un enfer et un paradis. Il va leur dire, rentrez en enfer. Et c'est Allah, il a pris leur engagement qu'ils vont lui obéir, vont obéir au messager. Il va leur dire, rentrez dans le feu. Et ceux qui vont rentrer, certes, ça sera le paradis, ils iront par ceux qui vont refuser de rentrer, ils vont aller en enfer. C'est ce que le prophète nous a dit. Donc, des gens qui n'ont pas connu le message, donc ils vont être mis à l'épreuve. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de nos contemporains, on peut le considérer que des gens qui n'ont pas connu le vrai message de l'islam. Le musulman, nous n'avons pas fait notre devoir pour faire connaître l'islam, pour faire comprendre l'islam. Nous sommes fautifs. Donc, on ne peut pas considérer que toute personne qui est non-musulman de dire qu'il est un kafir condamné qui va aller en enfer. On n'a pas le droit. Nous ne sommes pas Dieu. Ce n'est pas nous qui vont les juger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les juger. Bon, maintenant, même utiliser ces termes de kafir, de mécréant, ce n'est pas sage, puisque la personne à qui, quand tu es porteur d'un message de miséricorde, j'ai oublié de vous dire, j'avais noté 3 points, c'est-à-dire notre relation avec des non-musulmans qui ne les combattent pas, notre relation avec eux doit être basée sur 3 piliers. Premier pilier, da'wah, des gens à qui on doit leur faire da'wah, leur faire connaître. Deuxième chose, l'équité. On doit être équitable et juste à leur égard. Troisième chose, à l'ihsan. On doit être bienfaisant à leur égard. Donc, est-ce que tu seras bienfaisant à l'égard de ton collègue de travail, à l'égard de ton camarade, à l'égard de ton voisin? Oh, toi, les mécréants, si tu ne crois pas en islam, tu vas aller en enfer. Est-ce que tu es bienfaisant? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu lui fais da'wah? Non, tu le fais fuir de l'islam. Donc, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans les débats avec des non-musulmans, Allah utilise une expression qui est vraiment, que je trouve vraiment, c'est l'élévation, c'est vraiment, c'est sublime. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قُلْ لَا تُسْعَلُونَ أَمَّا أَجْرَمْنَا. Dit, vous ne serez pas interrogés de ce que nous avons perpétré comme crime. Donc, il dit au prophète de dire aux non-musulmans, vous ne serez pas interrogés sur nos crimes. Il dit nos crimes, c'est Amma Ajramna, les crimes que nous avons perpétrés. Donc, normalement, il devrait dire, et nous aussi, nous ne serons pas interrogés sur vos crimes. Mais, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Et nous ne serons pas interrogés de ce que vous faites. Voyez, subhanallah. Et donc, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Non, le verset avant. Donc, l'essentiel, la partie dit وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Donc, il dit nous et vous, soit nous sommes dans la guidance, dans la bonne direction, ou dans un égarement évident. Donc, vraiment, le Coran nous apprend qu'avec les non-musulmans, d'utiliser... Allah dit, « Wala tu jadilu ahl al-kitab illa billati ahsan. » Ne discutez pas avec les gens des livres qui parlent de la meilleure façon. Donc, par de la meilleure façon de s'adresser à des non-musulmans, ce n'est pas de dire « kuffar » ou « mécréant », c'est de dire de non-musulmans. Puis le fait de dire non-musulmans, c'est moins choquant qu'à un non-musulman que de lui dire « des mécréants ». On peut les traiter d'ignorants. D'ignorants? Oui, puis c'est en fait. Donc, c'est pas seulement des non-musulmans qui sont ignorants, mais toute personne qui ne connaît pas son Seigneur est ignorant. Ouais. En fait, moi, la personne avec qui je suis un peu en guerre, j'ai envie de dire, en fait, la personne, elle a lu le Coran. Et elle en tire que du mauvais, en fait. Mm-hmm. Alors moi, j'essaie d'étudier et je suis toujours en extase. Je trouve ça magnifique. Et en fait, je comprends pas pourquoi elle comprend pas ce que moi, j'ai compris. Même quand on parle des choses scientifiques, il dit que ce sont des choses qui ont été déjà révélées et que, soi-disant, le Coran, là, il a appliqué les idées. D'accord.
Moi, voilà, c'est très pénible. C'est vrai que le mot, je dis pas mes prénoms, bien sûr, je suis respectueuse. Par contre, l'ignorance, oui, je le sors tout le temps. Non, il faut éviter aussi. Il faut éviter, en face de la personne, il faut éviter. Et c'est n'importe quelle personne, le fait de lui traiter de l'ignorant, ça vexe, ça blesse. Oui, mais moi aussi, je suis vexée. Ouais. Non, bah, en fait, vous êtes vexé pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris, il ne croit pas, c'est son droit. C'est son droit de ne pas comprendre, de ne pas croire. J'aime pas quand on touche au livre. Non, bon, en fait, je comprends bien sûr tout à fait, mais c'est-à-dire, il faut savoir que la guidance, c'est Allah qui le détient. Ce n'est pas nous. Allah, il dit à son prophète, et qui a, au sujet de son oncle, qu'il a élevé, qu'il a protégé, qu'il a défendu, qu'il a soutenu, qui a subi énormément de peines pour lui, au moment où il était sur les lits de la mort, il dit, oncle, dis la ilaha illallah, une phrase par laquelle je te défendrai devant Dieu. Mais il n'a pas dit, et le prophète, il était très triste. Il était profondément bouleversé, touché. Mais Allah, qu'est-ce qu'il lui dit ? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc nous, c'est vrai, il est de notre devoir d'essayer de transmettre le message de l'islam de la plus belle façon, de la plus belle manière, car Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, transmettez de moi, même si ce n'est qu'un verset, c'est-à-dire si un musulman ou une musulmane qui ne connaît qu'un verset a le devoir et l'obligation de transmettre ce seul verset qu'il connaît à ceux qui ne le savent pas. Donc, ça c'est notre devoir. On doit transmettre, bon, on doit transmettre avec la sagesse, puisque Allah dit, appelle au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Donc, je dois utiliser la sagesse, la plus belle manière pour transmettre le message. Bon, maintenant, si les personnes en face, ils étaient réceptives, ils ont compris qu'Allah les guide, alhamdoulilah, puisque le prophète, il dit que Allah guide par ton intermédiaire une seule personne, vaut mieux pour toi que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Donc, certes, le musulman, de point de vue, le fait qu'on est bienveillant à l'égard des gens, on leur veut du bien, on aimerait qu'ils soient guidés, on aimerait qu'ils comprennent. Mais s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas de notre sort. J'aimerais rebondir juste sur ce point-là et compléter, enfin compléter, je parle sous l'autorité de Cheikh, Inch'Allah. Y a plusieurs savants aussi qui disent, dans la traduction de Kofl, ils disent « ceux qui n'ont pas encore cru ». Ils disent également « ceux dont le cœur est voilé ». D'ailleurs, c'est la racine étymologique, en réalité. Et même si nous, en français, on est obligé d'utiliser un terme qui se rapproche le plus, donc ce qui a été établi, c'est effectivement le mot « mécréance ». Mais quand on regarde spirituellement, et pas simplement la définition, je dirais, terre-à-terre, parce que c'est celui qui n'est pas vers Dieu, certes, il ne croit pas, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça rejoint ce que tu disais par rapport à la lecture du Coran. Mais finalement, ça ne touche pas que les non-musulmans. Qui d'entre nous, quand il était dans l'insouciance, dans le rafla, avait une lecture différente du Coran qu'il ne l'a aujourd'hui, qu'il ne l'aura peut-être demain? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, même dans son livre sacré, c'est pas avec les yeux qu'on lit, c'est avec le cœur. Et nous, à l'UFCM, c'est ce qu'on a essayé de traduire sur de nombreux cycles de formation ces dernières années, c'était l'interaction entre, on appelait ça les 3C, le cœur, le Coran, la création. Le Coran n'a de sens que s'il interagit avec le cœur. Mais si le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, ne médite pas. Voilà, et ce n'est pas avec les, voilà, d'innombrables de versets, ne médite pas la création, ce n'est pas avec les yeux, mais certes c'est le cœur qui c'est le cœur qui. Ce n'est pas les yeux qui sont aveuglés, voilà. Plutôt c'est le cœur dans les poitrines. C'est ça. Donc finalement, c'est logique, on peut avoir des preuves devant nous, mais si le cœur est voilé, puisque finalement c'est le cœur qui dit. Tout à fait. J'ai une autre question. Toujours en rapport avec les non-musulmans, je voulais savoir en fait par rapport aux invitations, vous disiez, vous rapprochez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondait aux invitations des non-musulmans. Moi j'ai des amis chrétiens par exemple qui peuvent être amenés à m'inviter sur des repas dans le cadre de leur vie.
dans leur cas de leur rite, ça peut être pas ou autre. Quelle est l'attitude à adopter par rapport au fait notamment que vous disiez qu'il fallait pas participer à leur rite. Oui. Et j'avais la même question aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on peut nous les convier à nos fêtes de rite. Et j'ai une autre question aussi sur les anniversaires. Est-ce que c'est apparenté du coup à des rites? Est-ce qu'on peut répondre à une invitation sur un anniversaire? Bien, en fait, les invitations à l'occasion de ce qui relève des rituels, c'est-à-dire des occasions religieuses, là, ça, il ne faut pas répondre. Mais par contre, des invitations à d'autres occasions, oui, on peut répondre. On peut répondre, on peut partager le repas avec eux. Donc, de même aussi, on peut les inviter, et aussi, nous aussi, en tant que musulmans, on peut les inviter, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la nourriture des gens à qui les livres a été donné est licite pour vous et votre nourriture est licite pour eux. Donc, on peut répondre à leur invitation comme on peut les inviter nous aussi. Donc, mais il ne faut pas que les invitations, par exemple, quand nous, on participe à des invitations à l'occasion qui relèvent, comment dirais-je, d'une occasion rituelle, religieuse. Voilà. Donc, l'autre... C'est sur les anniversaires. Sur les anniversaires. Bon, l'anniversaire, est-ce que... Comment dirais-je quoi? L'anniversaire, ce n'est pas une fête religieuse. Ce n'est pas une fête religieuse. Bon, même s'il y a une divergence entre les savants, est-ce que le musulman doit fêter des anniversaires ou pas? Mais ce que je peux vous dire, l'anniversaire n'est pas quelque chose... des rituels, quelque chose de religieux. C'est fait partie, on peut dire, des habitudes, des coutumes qui n'est pas religieux. Bon, cependant, moi, personnellement, ma position sur ça, je n'ai jamais fêté mon anniversaire, ça n'existait pas chez moi. Bon, alhamdoulilah. Et bon, je n'ai jamais fêté l'anniversaire de mes enfants et je ne les recommande pas aussi. Voilà. Dans la même. Bon, quand j'ai dit ça n'existait pas avant, ça n'existait pas chez moi. Mais maintenant, avec la mondialisation, ça s'est fait. Pour rejoindre la même thématique, les mariages et les décès, est-ce qu'on peut aller à l'église lors d'un mariage si on est convié? Et pour les décès, même chose. En fait, le mariage ou le dessert, on peut participer, mais pas participer à des actes rituels. C'est-à-dire, s'il y a un moment, il y a un acte qui relève des actes rituels, on ne doit pas y participer. Mais on peut assister à un mariage, un funérail d'un non-musulman, on peut y participer. Mais on ne doit pas participer à des actes qui relèvent des actes rituels, religieux. Pardon? Donc, le moment à l'église, oui, puisqu'en fait, c'est leur rituel religieux. Donc, par exemple, si vous accompagnez les personnes, quand ils rentrent à l'église, vous pouvez rester dehors, les attendre dehors. Par exemple. Du coup, c'est un peu lié à ce que la sœur a rappelé. Moi, j'ai une question par rapport à un rapport en fait, concernant la proscription de Saint-Abbé. Avec les personnes qui consomment de l'alcool. Enfin, moi, personnellement, je suis convertie, donc je suis amenée à consommer de l'alcool. Et du coup, par rapport à ça, je voudrais venir dans votre éclairage, en fait, par rapport au contexte, peut-être, d'implication. Enfin, ce que vous avez apporté par rapport au verset, en fait, tout à l'heure, en fait, de combattre le répertoire salié avec les mouvements, tout ça, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, aussi pour ce rêve, en fait, je rechercherai un éclairage mieux le comprendre, pour mieux aussi pouvoir appliquer des restrictions s'il y en a, etc. Donc en fait, il faut savoir, c'est vrai, en islam, il est interdit à un musulman de s'asseoir autour d'une table ou sur laquelle on consomme l'alcool. Donc c'est interdit. Donc maintenant, cette interdiction, par exemple, une personne comme vous, qui est converti à l'islam, qui a ses proches et ses parents qui ne sont pas musulmans, qui ont leur habitude de consommer l'alcool
à table, est-ce qu'il faut refuser leur invitation de dire parce que vous partagez, vous consommez de l'alcool, moi je ne peux pas me soir autour d'une table, donc je ne réponds pas à une invitation, ou bien il y a une démarche, une sagesse à faire. Donc certes, moi ce que je recommanderais, il faut répondre à l'invitation. Il faut se comporter de bonne manière, de bonne façon avec eux. Il faut, même si, dans des moments donnés, s'asseoir autour de la table avec eux, mais il faut en saisir comme l'occasion pour montrer notre bon comportement, notre bonne habitude, bonne attitude, et essayer de leur faire da'wa. De leur faire da'wa, car si, grâce à notre bon comportement, on leur a fait da'wa, qu'ils ont fini par comprendre le message de l'islam, qu'ils acceptent l'islam, alhamdoulilah, vraiment, on a tout gagné. Bon, à l'inverse, si on n'a pas réussi à les convertir, ils sont figés sur leur position, ils ne veulent pas changer, mais ça nous permettra de pouvoir leur expliquer, dans le calme, dans la sérénité, de dire, je vous aime bien, je vous respecte bien, je ne vais nullement vous interdire de consommer ce que vous avez envie de consommer, mais moi, désormais, ma conviction religieuse m'interdit, me met en porte-à-faux avec ma foi, avec mon Dieu, de m'asseoir au Dieu tel. Si je suis gêné, bon, je pense des gens qui sont tolérants, qui sont objectifs, qu'on a essayé de se comporter bien avec eux, leur expliquer dans le calme, dans la gentillesse, la plupart des gens, ils vont comprendre. Ils vont dire, lorsqu'ils vont vous inviter, ils vont éviter de mettre l'alcool à table. Bon, des gens qui sont dans l'attitude de confrontation, tu ne vas pas m'imposer ta loi, bon, et ça ne changera rien. Mais à partir du moment où il faut arriver à trouver une bonne manière, une bonne façon. Moi, des gens qui vont, des jours au lendemain, disent, je me suis converti, je n'accepte pas, et qui rentrent en clash avec les... Ce n'est pas la bonne manière, c'est pas une bonne... C'est manque de sagesse. C'est manque de sagesse. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Regardez, en islam, quel est le pire des péchés? Shirk, le fait d'associer à Allah. Donc, regardez la Kaaba, qui est le temple du monothéisme, de l'unicité d'Allah sur terre. À un moment donné, les polythéistes, à la Mecque, ils en ont fait un lieu de l'idolâtrie. Dans la Kaaba, il y avait plus de 360 dieux, des idoles. Plus de 360 idoles. Le musulman, pendant la période mécoise, 13 années, le musulman, il venait prier auprès de la Kaaba. Il faisait tawaf autour de la Kaaba, malgré qu'il y avait des idoles autour. Et ils les ont laissés. Pendant les 13 années du début de l'islam, que les musulmans ils sont restés à la Mecque. Après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc jusqu'aux 8e année de l'Hijr, le musulman, quand il venait faire Umrah Tawaf, il faisait Tawaf, et Umrah autour de la Kaaba avec les idoles, ils étaient là. Quand est-ce que le prophète va les enlever? Lorsqu'il a libéré la Mecque. Donc, au moment où quand ils ont libéré la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait tawaf, il avait un bâton dans la main. Quand il pointait sur les idoles, il tombait. Le prophète, il aurait pu le faire avant l'immigration à Médine. Il aurait pu pointer le bâton aux idoles qui tomberont comme ils sont tombés après. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait? Parce que le moment n'était pas venu. Donc, en islam, certes, il est de devoir de musulmans de vouloir changer le mal. Quand on puisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, celui d'entre vous qui va à quelque chose de répréhensible, qu'il l'échange avec la main s'il peut, sinon avec la langue, sinon avec le cœur. Donc au moins, à un moment donné, il faut désavouer avec le cœur, de dire je ne suis pas d'accord, je n'aime pas, mais je ne peux pas le changer avec la main ni avec la langue pour le moment. Donc attendre que le moment propice vienne pour changer. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, il faut dire il n'y a rien, c'est tout à fait normal, ils ont droit. Non, il faut attendre le moment propice pour pouvoir agir convenablement pour changer les choses. Wallah alam. Par rapport au droit du voisin. Oui. Alors moi
des voisins qui sont très proches de moi, un peu trop peut-être, et on me demande multiples services. Et donc, ça me met dans la gêne. Parfois, j'ai l'impression de les aider à contre-cœur. Qu'est-ce qu'il en est? Je pense qu'il y a quand même des limites. En fait, tant qu'ils ne vous demandent pas de faire quelque chose qui est interdite dans l'islam, si vous leur rendez service, rendez-le tous les services que vous êtes en mesure de leur rendre, oui, tant que ce n'est pas illicite. Je sais pas, des fois je suis fatiguée. Bon, quand vous ne pouvez pas, il faut leur dire, je ne peux pas. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Moi, dans la vie, j'ai une règle qui est la franchise. Et j'aime être franc. J'aime qu'on soit franc avec moi. Donc, ça, un ami, un proche, quelqu'un que je connais, que je lui demande un service, et si réellement la personne ne peut pas, qu'il me dise, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas, wallah, ça ne me dérange pas du tout. Ou bien aussi, qu'on me demande des services, quelque chose que je ne peux pas, ça ne me gênera aucunement, je ne serai jamais gêné de dire, non, je ne peux pas. Mais quand je peux, je le fais. Donc, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, il ne faut pas être gêné et dire, je suis désolé, ce n'est pas parce que je ne vais pas vous faire, mais je ne peux pas. Donc, si la personne est juste, équitable, elle vous comprendra. Parce que vous lui avez tellement rendu service, vous avez toujours répondu présent. La personne qui est juste, équitable, le jour où vous ne pouvez pas, vous lui dites, je ne peux pas, elle doit comprendre. Si elle ne comprend pas, tant pis. Si c'est elle qui est fautive. J'ai une deuxième question. Il y avait une soeur, je crois, d'abord devant. Ça, il y avait une personne encore devant pour les questions. Il y a un monsieur qui voulait poser une question en anglais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut traduire. J'ai compris un peu l'anglais, mais je l'ai perdu. Bon, si ce n'est pas trop... si ce n'est pas trop compliqué, je pense que je serai en mesure de comprendre. Salam alaikum. I will try to make it shorter slowly. Basically, recently I faced a situation where my friend, someone who I know in fact, came and told me he studied a lot Islam. He knows a lot of things, different school of thought, okay? So he learned some of the things. So he came and told me basically, saying that if today someone from other religion or someone who does not believe in Islam, who is disbeliever, and come and slander our Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have right to kill this person. Okay, so on the spot I said it can't be, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not respond to kill someone when they slander him. Okay, in fact, when the people of Taif they slandered him, they tortured him really brutally, he did not respond with the brutality. He responded with dua. Okay, so I told him this is not possible. He said no. All the school of thought like Maliki, Shafi, and some other all the school of thought, they agreed we have right to kill this person. So since that I would like to know, is it really true that we can't kill the person, or we have to respond in a better manner? So my question, long story short, to say just my question is, how do we respond? Do we kill the person or we respond better way? Do you understand? Bon, je pense que j'ai compris, c'est-à-dire quelqu'un qui lui dit, si quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit les tuer. Et c'est vrai ou pas? Qui dit que c'est l'avis de tous les savants. C'est ça? Yes. Ok. La question que je vais poser... Lequel est plus grave? Insulter le prophète ou insulter Allah? Insulter Allah. Insulter Allah, c'est plus grave. Donc, cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit de tuer ceux qui insultent Allah. Allah, il dit dans le Coran, Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la tasubu alladhina yad'una min dunillah, fa yasubu Allah adwan bighayr ilm. » Allah, il dit, n'insulte pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, alors, par revanche, ils insulteront Allah. Donc, le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit tout à l'heure, quand les juifs ils sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils l'ont dit Assam alayk, c'est la mort sur toi, ils maudissaient le prophète. Et Aïcha radiallahu anha, qui a entendu, qui a bien compris ce qu'ils ont dit, qui dit Assam wa la'anat alaykum, il dit la mort et la malédiction sur vous. Qu'est-ce que le prophète il a dit à Aïcha? Calme-toi. Il dit, Allah est doux, il aime la douceur.
Et dans d'autres versions, Allah, il n'aime pas la grossièreté et des insultes. Les prophètes, et ces pendant, ils ont insulté qui? Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le meilleur des hommes, le chef de l'État, il a tout le pouvoir, toute l'autorité. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, s'il voulait infliger des sanctions à ces gens, il avait tout le pouvoir de les infliger. Exactly, I told him and I know those. In fact, I learned a little bit. I don't know Arabic, so I learned a little bit by listening some of the sheikhs. So for me, when he said that, okay, this is not what I'm saying. This all the sheikh who agreed, all these club top, they agreed that we have the right to kill this person. Donc en fait, il faut savoir, en Islam, Allah nous a envoyé qui? Les sheikhs ou bien les prophètes? Les prophètes. Donc, je crois, en suivant les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, on sera plus juste, on sera dans la vraie voie. L'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les frères, inshallah. Ce sera peut-être la dernière question. La dernière question. Une question. Juste une dernière question, moi, c'est sur les commémorations, bien sûr. Pour revenir, la sœur a posé les anniversaires. Moi, c'est sur les commémorations. Est-ce que c'est permis? Quel type de commémoration? Les commémorations, par exemple, historiques, comme les anniversaires. Et la honte, notre frère asiatique, là, à côté. Les commémorations de l'anniversaire du prophète, je pense ça de... Mais moi, c'est sur le commémoration historique. Par exemple, la libération d'un pays, comme ce comme le 1er novembre. Ça, ce n'est pas un rituel religieux. Ça n'a rien de religieux. Donc, en fait, quand il nous est interdit de chercher à ressembler à de nos musulmans ou à faire l'alliance, il s'agit de ce qui relève des religieux. Des cultuels, ou bien ce qui relève d'une spécificité qui est réellement liée à leur état de mécréance, de polythéisme. C'est-à-dire, s'il y a une commémoration réellement qui commémore quelque chose qui relève du polythéisme ou qui encourage le polythéisme, non, même si, par contre, comment dire, des commémorations qui ne sont pas religieuses, oui, il n'y a pas de mal d'y participer. Bon, je vais finir avec la dernière question, c'est très important parce qu'il y a. Sur la commémoration, par exemple, de l'assassinat des moines d'Algérie, sur les 20 ans qui vont préparer un événement ici à Lyon, est-ce que c'est autorisé, parce que c'est des musulmans et des catholiques je vous informe, il y a une association qui s'est créée, islamo-chrétienne. Donc l'inauguration va se passer au mois de mars. Donc il y a le message, par exemple, de Tébérine, sur le message des moines, sur la paix. C'est-à-dire qu'il lit les musulmans et les manabs. C'est-à-dire, cette commémoration, s'il y a des actes rituels religieux, le musulman n'a aucun droit d'y participer. D'accord. Mais s'il n'y a pas des actes rituels religieux, oui. Que des messages. Donc, des messages de dire, ces gens, ils ont dédié leur vie pour servir les autres, pour se rendre le plus utile. Ils ont été assassinés injustement. Donc, pour... commémorer vraiment leur abnégation, leur don de soi, ouais, ça je vois pas du mal dans ça, mais s'il y a des actes qui sont, par exemple, je ne sais pas, s'il y a des actes rituels qu'il faut faire, dans ce cas, le musulman n'a pas le droit d'y participer. Barakallahu fik. Manel, on va donner le micro, Inch'Allah, on ne t'entend pas du tout. Hein. Donc, commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réellement, cela relève d'un grand débat entre les différents tanas, ceux qui sont pour, ceux qui sont. Moi, personnellement, je ne vois pas que commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de recommandé religieusement ou quelque chose de méritoire religieusement. Moi, je le vois comme une innovation. Voilà. Juste une question aussi à propos aussi des fêtes religieuses. Donc, il y a à Lyon en fait ce qu'on appelle la fête des Lumières. Donc, elle se produit chaque année. Voilà. Donc, elle a une origine religieuse apparemment. Donc, il remercie la Vierge Marie, etc. Et donc,
tout Lyon, voilà, dans tous les lieux à Lyon, il y a des festivals, il y a des présentations, voilà, des trucs qui sont agréables à regarder. Donc, est-ce que on a le droit de, voilà, d'assister? Ben, assister, c'est que juste, voilà, voir, en fait. C'est comme, par exemple, Christmas, le Christmas aussi. Non, en fait, tout ce qui est des fêtes, des manifestations religieuses, mon point de vue, les musulmans ne doivent pas y participer. Malgré, en fait, qu'ils ne... Que c'est devenu un événement populaire, ça veut dire. Malgré, c'est ça. Mais il y a quand même le fondement religieux, tu l'as dit toi-même. Ben, le fondement religieux, mais en fait, là, les gens, quand ils vont à la fête, par exemple, ou même au Christmas, en fait, quand ils regardent là, voilà, au centre commercial, par exemple, tout ça, ils regardent les décorations, en fait, dans le sens où, voilà, ils n'ont pas ça en tête, même les Français. Ils n'ont pas en tête que, voilà, on remercie la Vierge Marie. Ils regardent juste que, voilà, c'est agréable à regarder, c'est des trucs artistiques, voilà. Donc, est-ce que, dans ce sens, nous, on est considéré comme on participe dans ce... Moi, réellement, pour avoir un carnet, j'y participerai pas, je recommanderais pas d'y participer. Juste pour être éloigné d'un choubouhat, yani. Éloigner les choubouhats. Je crois que ma réponse est claire. Bon courage. Je crois que tu vas renoncer à lui, c'était son bon courage. Non, c'est très important, en fait. Je crois que Chir a raison sur un point. Oui, c'est sûr. Sachez que le 8 décembre, ce n'est pas une fête religieuse uniquement. C'est pas uniquement fête religieuse, la fête des Lumières. Oui. Parce que c'est là où ils ont combattu la peste. C'est-à-dire, il faut bien se renseigner, c'est-à-dire c'est les deux. Hein. Donc c'est pas uniquement. Lui qui a sauvé, ça va bien. De toute façon, lui parle de manière générale des fêtes religieuses qui ont donné Et pourquoi Chir il répond j'aimerais donner juste mon point de vue, vous allez comprendre. Chir, il a raison, parce que d'un point de vue d'une personne savante. Elle ne va pas rentrer dans des détails parce que chaque fête populaire est différente. Voilà. Mais le risque, c'est que chaque fête religieuse qui va basculer, qui va entraîner la création d'une fête populaire, on ne sait pas aller où la limite, le début, le machin, voilà. Et qui peut terminer. On parlait de Noël, il y a des gens qui vont faire le repas qui ne pensent pas forcément à un religieux, puis il y en a d'autres qui vont finir le repas qui vont finir à l'église. Donc voilà, une personne savante, elle ne peut pas dire bon, bah, si tu t'arrêtes de. Donc à partir du moment où il y a un fondement religieux, effectivement. Ça peut poser problème. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'abstenir. Donc on avait dit que c'était bon pour les questions. Avant de laisser Inch'Allah Chir conclure par une invocation, je vous rappelle Inch'Allah que vous avez la possibilité de participer, de vous substancer Inch'Allah. Il y a des boissons, il y a du sucré, du salé. Ça participera financièrement à l'UFCM. Simplement par rapport à l'intervention, donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'avoir écouté ces enseignements-là. Je vais synthétiser en deux phrases ce qu'on a retenu de tout ça, c'est qu'on a le rapport aux autres entre le Coran et la Sunna. Et en fait, le Coran et la Sunna nous permettent à nous, finalement, de cheminer vers Dieu. C'est la relation verticale. Et le rapport aux autres, c'est la relation horizontale. Ce qu'on a compris dans tout ce qu'il a dit, c'est que de la manière dont on va gérer notre relation horizontale va dépendre de la qualité de notre relation à Dieu, finalement. Parce que l'ensemble des versets et des hadiths que Cheikh Mita nous a déployés mettent en évidence, donc, d'une part, la nécessité ou l'obligation même de mettre en pratique ces versets, ces hadiths, puisque c'est cette manière-là qui nous permettra de cheminer en Dieu. Et on voit que, ben, en ce faisant, ça permet aussi de pacifier nos relations avec ceux qui nous entourent. Donc finalement, l'un dépend de l'autre, mais ils sont éternellement imbriqués en réalité. Barakallahu fik. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit: le meilleur des voisins auprès d'Allah est celui qui est meilleur avec ses voisins. Le meilleur des compagnons avec ses compagnons, et celui qui est meilleur avec les autres. C'est-à-dire, auprès d'Allah, celui qui est meilleur, c'est toujours celui qui est meilleur. Donc, effectivement, c'est notre rapport avec la religion, donc c'est vrai, c'est vertical ou horizontal. Donc, plus on aura une meilleure relation avec Allah, plus on aura une meilleure relation avec nos semblables. Moins on aura un bon rapport avec Allah, moins on aura un bon rapport avec nos semblables. Alors qu'aujourd'hui,
certains, ils pensent que être pieux, être bon dans la religion, c'est uniquement entretenir une relation avec Allah et être mauvais avec son, dans le milieu, le contexte, avec ses semblables. C'est totalement faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit « Akmalu mu'minina imanan ahsanu mukhuluqa » le croyant le plus accompli dans la foi, ou le croyant qui a la foi la plus parfaite, est celui qui a meilleur comportement. Il ne dit pas celui qui a meilleur comportement avec le croyant. Il ne dit pas celui qui a meilleur comportement avec... celui qui a meilleur comportement d'une manière générale. Donc c'est pour cette raison. Le musulman, il doit avoir un meilleur comportement pour réellement traduire sa foi, son appartenance à cette religion. Donc quand on prétend être un bon musulman, avoir, être croyant, avoir pieux, et que dans le milieu dans lequel on est, les gens ils disent qu'on est mauvais, réellement on est mauvais. Wallah Allah. Qu'Allah nous donne la compréhension qui nous guide sur le droit chemin. Allahumma ya Allah, ya hayy ya qayyum, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal arshil majid, ya fa'ala lima yurid, ya alim al ghaib wa shahadat, ya rahman ya rahim, nas'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al ula. أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وتهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.